On pourrait déjà, avant même d'évoquer Schubert, parler avec Cédric de ce qu'est le quatemain. Et bon nombre d'entre vous qui êtes ici présents au Studio 106 ou qui nous écoutez sur France Musique êtes pianistes amateurs ou professionnels. Et j'en suis à peu près certain, lorsque vous rencontrez un ami pianiste ou une amie pianiste, eh bien, il se peut que vous vous mettiez au piano et que voilà, vous lisiez pour votre plaisir d'abord et peut-être dans des projets de concert ensuite, ce répertoire à quatre mains qui est immense. Il n'a pas commencé avec Schubert. Schubert lui a donné évidemment toutes ses lettres de noblesse et a poussé le genre jusqu'à des sommets d'inspiration et de composition. Cette fantaisie en est évidemment la preuve. Et donc le piano à quatre mains, c'est une manière de partager la joie de jouer de la musique, de la découvrir. Et puis c'est aussi un véritable travail. Alors je vais laisser la parole maintenant à Cédric qui va nous décrire par le menu les différentes étapes d'un travail dès lors qu'on veut aller loin dans le répertoire et dans l'exécution d'une pièce. Quels sont les handicaps et puis quels sont les atouts, s'il y en a? Bon, ça commence naturellement par une entente entre les deux pianistes, de savoir qui va jouer en bas, qui va jouer en haut. C'est pas aussi évident que ça parce que les parties sont toujours très très différentes entre le bas et le haut. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, il y a le travail avant naturellement que les deux pianistes se rencontrent, qui est un travail un peu particulier parce que moi je pense qu'il est très bon de déjà se mettre en position, de déplacer la chaise, de ne pas être assis, c'est-à-dire totalement normalement au milieu, mais de la déplacer en fonction la partie qu'on a choisie, à gauche ou à droite. Et ensuite, c'est un travail assez curieux parce qu'on n'a qu'une partie du résultat final et aussi on a pour regarder sur la partition, mais on ne sait pas à quel point l'autre pianiste, c'est-à-dire la main droite du pianiste quand on est à gauche et la main gauche du pianiste quand on est à droite, c'est impossible de savoir à quel point nous allons vraiment nous déranger parce que vraiment tout ça est extrêmement ténu. Parfois on joue l'espace vital, exactement. Donc ça, on le découvre naturellement seulement à la première répétition. Donc ça implique qu'on doive changer les doigtés naturellement et vraiment faire ce gros travail sur, je dirais, ce centre du piano, ce qui devient tout à coup d'une richesse incroyable. Si on a deux mains, naturellement, on a une main gauche qui est, je schématise à outrance, mais une main gauche qui est la basse et la main droite qui est la mélodie. Dans beaucoup de musique, en tout cas, c'est comme ça. Et un milieu qui est naturellement souvent très riche selon les compositeurs, mais qui ne peut jamais atteindre cette richesse qu'on aura dans le quatre mains. Et moi, je pense toujours, j'ai cette analogie avec, c'est un peu la différence entre un quatuor à cordes ou un trio à cordes et un quintet ou un sextuor à cordes. On voit très bien chez Mozart ou chez Brahms, quand Mozart écrit ses quintettes avec deux altos, le centre est tellement fouillé et travaillé et fait tout à coup sonner le quatuor par l'adjonction d'un seul membre comme une sorte de petit orchestre. Et ces voix centrales ont beaucoup intéressé des compositeurs comme Mozart et comme Schubert. Il y a d'autres compositeurs pour qui c'est peut-être moins essentiel, mais en tout cas, ces deux-là ont toujours soigné dans leur musique d'orchestre et de musique de chambre cette partie centrale. Passons à ce très joli Ländler, Allegro vivace, que souvent on entend très vite, très virtuose, très brillant, comme un moteur parfaitement huilé. Et il me semble que là, Cédric et moi, dans notre travail, on a essayé de revenir à cette source du Ländler, même si évidemment il y a des passages brillants dans ce mouvement. Mais si on oublie cette dimension du Ländler, du rythme populaire, et en l'occurrence là c'est un rythme par trois, mais qui se pense par mesure de trois temps, à ce moment-là on passe à côté de quelque chose, parce que là c'est évident qu'on ne peut pas jouer ça à toute vitesse, avec un son, un son dur. Non, il faut essayer de trouver ce charme, et puis ces prises de parole, à la fois en bas, quand c'est Cédric qui joue, ou moi-même, quand j'égrène des motifs, sont des motifs qui passent comme ça. J'ai l'impression vraiment d'un train, ou d'un fiacre qui passerait comme ça dans la campagne et qui saisirait comme ça au vol des motifs qui sont tout le temps changeants, presque mozartiens dans leur mobilité et leur changement et transformation successives. On va vous rejouer la première page de ce passage.
puis Schubert nous réserve une petite surprise, et là aussi Cédric était très sagace, il a trouvé une citation, parce que je vous ai fait entendre tout à l'heure, souvenez-vous, une des variations de la fameuse pièce Variation sur un thème original Deutsch 813, une variation qui cite textuellement quelques notes du deuxième mouvement de la 7e symphonie de Beethoven. Schubert, on le sait, était en admiration devant Beethoven, et d'ailleurs comment ne l'aurait-il pas été? C'était le modèle absolu à Vienne, c'était une gloire nationale. Il était mort depuis un an quand Schubert a écrit cette fantaisie, et c'est d'ailleurs cette mort en 1827, en mars 1827, qui a libéré en quelque sorte Schubert et qui a fait que les chefs-d'œuvre ont jailli à une vitesse incroyable. Enfin, songeons qu'en entre novembre ou la fin de l'été 1827 et la fin 1828, il meurt à la mi-novembre 1828, il y a outre le voyage d'hiver qui date plutôt de l'été 1827, mais il y a les 8 impromptus, la fantaisie pour violon et piano, la grand-messe en mi bémol, le quintet à deux violoncelles, je ne l'ai dit même pas par ordre chronologique, les deux trios pour violon, piano et violoncelle, les trois grandes sonates conclusives, celle en 960 écrite vraiment juste avant sa mort, le pâtre sur le rocher, une version avec corps de Auf dem Strom, une des versions différentes de Auf dem Strom, j'ai oublié évidemment tous ces livres dont les 14 leaders qui forment ou qui ont formé post-mortem le cycle du chant du cygne, et les trois grandes pièces pour piano à quatre mains, donc la fantaisie de Lebenstürme, le rondo. Est-ce que j'en ai oublié, Cédric? La grande messe en mi bémol, qui dure quand même 1h05. Enfin, voilà, on est éberlué par cette production et cette qualité. Et cette qualité, parce qu'il y a quasiment pas d'œuvre mineure au sens où on dit oui, c'est faible, ou il y a des longueurs, ou ceci, c'est pas très inspirant. Non, c'est quasiment toujours à un très 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 haut niveau d'inspiration, et c'est toujours renouvelé. Mais, où que ce soit d'ailleurs, et pas seulement à partir de 1827, mais les citations, les petits messages secrets codés d'une influence beethovenienne, il y en a toujours eu dans l'œuvre de Schubert, mais ça reste toujours du Schubert, et on l'a entendu tout à l'heure dans la variation, ça sonne comme du Schubert, on se dit, mais tiens, je connais cette air-là, et évidemment, on se dit, ah ben oui, c'est la 7e de Beethoven, sauf que ça sonne comme du Schubert, jamais Beethoven n'aurait harmonisé et trouvé un accompagnement tel que Schubert l'a trouvé pour cette variation-là. Que ce soit tout à fait clair, ça sonne toujours comme du Schubert, même si les éléments sont pris quelquefois textuellement, et nous allons le voir ici, dans des œuvres de Beethoven. Alors, on va vous jouer ce passage. Alors, il y a un petit trio délicieux au milieu de cette section à trois temps, qui est noté d'ailleurs par Schubert con delicatezza, avec délicatesse, qui est noté pianissimo. Puis juste après, alors écoutez bien ceci. Et écoutez à présent ceci. Alors, quelles sont les notes qu'on voudrait entendre? Ce n'est pas la mélodie principale, c'est-à-dire jouée par le corps, etc. Nous, ce qu'on veut entendre, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est le contre-champ qui est joué, d'ailleurs, ensuite, par les premiers violons. Et ça donne, dans la fantaisie de Schubert, alors c'est très, très légèrement transformé, mais enfin, là, c'est très explicite.
Donc, on voulait vous montrer, enfin, plutôt Cédric, parce que c'est lui qui a trouvé cette citation. Et ça ne peut pas être le fruit du hasard. Et puis, la 9e symphonie de Beethoven, c'est assez proche dans l'histoire, hein, puisqu'elle a été créée, si je ne m'abuse, en 1824 ou 25. Et là, nous sommes en 1828, et il est impossible que Schubert n'ait pas connu cette œuvre, bien entendu. Et s'il ne l'a entendue en concert, il en avait la partition, il avait la possibilité de la connaître très bien. Je ne voudrais pas terminer sans évoquer la fin grandiose, monumentale de cette fantaisie poignante, parce que elle commence de manière sévère, cette fin, avec une fugue un peu solennelle. On va vous jouer juste les premières notes. On fait le premier accord ? Oui. Choses vont se développer, quelque chose là qu'on entend de très binaire, avec des noirs, des croches, éventuellement des doubles croches, ta-ta-ta-ta-tam, ou pam-pam-pam, et puis pam-pam-pam-pam, ou pam-pam-pam-pam. Voilà, tout ça est très, très binaire, peut sembler un peu vertical. Il va y avoir tout d'un coup une petite fantaisie, toujours avec cette idée du chromatisme, parce que c'est ça qui est assez intéressant, c'est... quand même très étrange, ça sonne très étrangement, et on va avoir ces triolets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, qui vont s'ajouter à ces ensembles de noirs et de croches, et puis on va arriver, je dirais, à un premier palier qui est celui-là. On n'est que forte, avec beaucoup d'accents, beaucoup de notes et d'accords répartis entre le piano du bas, le piano du dessus, noté sforzando, F, Z, sforzando, renforcer le son. Premier palier, deux pages plus loin, on va passer à fortissimo, notamment pour la partie du bas. Sur cette partie du bas, je joue la chose suivante. Qu'on en a fini, là, qu'on ne peut pas aller plus. Et puis il y a ces triolets là qui sont comme une fournaise. On va le voir la semaine prochaine aussi avec le Lebensturm. Enfin, c'est un petit peu le même procédé. Ça tourne, ça revient. Enfin, et puis c'est quelque chose qui semble irrésistible, enfin, d'inexorable aussi. On va vers quelque chose, on semble près du but, et puis il y a toujours des retours en arrière, et puis une dernière explosion en fa mineur, cette fois notée fortissimo par Schubert. Fatalisme,
Il y a une défaite, littéralement. Et je dirais la musique est défaite, même si elle est sublime. Mais on monte, on monte, on monte. Et puis alors, vous avez entendu ces accords, ces cris qui sont poussés, cette puissance qui se dégage du piano. Puis alors, il n'y va pas de main morte, parce que Schubert, à un moment donné... Et je crois d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples d'un triple sforzando, c'est-à-dire vous avez trois F, donc fortissimo, mais avec un Z juste derrière, donc sforzandissimo. Et un accent par-dessus le marché. Et alors moi, j'ai une poussée avec la gamme en même temps qui m'emmène à la même nuance, 3F avec un accent derrière. En fait, c'est vraiment quelque chose qui doit terrasser. Et puis, il y a ce silence. Et curieusement, c'est le seul silence de toute l'œuvre. Et Dieu sait s'il y en a des silences, vous les avez sûrement remarqués lorsque nous avons joué l'œuvre en entier. Mais ce silence-là n'a pas, et c'est le seul de l'œuvre, n'a pas de point d'orgue, c'est-à-dire de point de suspension qui fait que le silence serait allongé, ad libitum d'ailleurs, au gré de l'interprète. Là, il n'y en a pas. Et on a bien vérifié sur le facsimilé du manuscrit avec Cédric, et il n'y a pas sur ce facsimilé de point d'orgue. Et on peut supposer que Schubert a intentionnellement raccourci ce silence pour que, justement, le retour paraisse mais absolument bouleversant, poignant, avec ce qui s'échappe, ce qui reste de vie, s'il en reste d'ailleurs, en tout cas cette résignation, ce fatalisme dont je parlais. Et il y a, me semble-t-il, dans la 9e symphonie de Schubert, écrite 2 ou 3 ans auparavant, peut-être terminée de manière ultime dans les premiers mois de 1828. Enfin, il y a des discussions musicologiques là-dessus. Mais en tout cas, dans ce deuxième mouvement, qui est un andante con moto, il y a là aussi un immense crescendo. L'orchestre explose de toutes parts et mené jusqu'à un degré d'incandescence tel qu'on doit s'arrêter. Et je vous laisse entendre la suite.